She's a lilac. She's a lilac. She's a lilac. I love her too, madness. She's my midnight sun. She's a lilac. She's a lilac. She's a lilac. She's a lilac. Her beauty's that of the moon. She makes her look like a sun diamond. She and I watching the sunset in the dune. Passionate love. I dare not believe it. She's a lilac. She's a lilac. Lilies and what was the beauty of flowers admired. A star in the sky for the most beautiful. I can't forget when I die.
Le journal de 20h, David Pujadas. Grande exposition pour terminer. Quel est le trait d'union entre Gustave Courbet et Paul Cézanne? Le musée d'Ornans, près de Besançon, a mis en parallèle les œuvres des deux maîtres qui n'étaient pas proches, mais qui ont beaucoup en commun. À commencer, vous allez le voir, par leur sujet d'inspiration. Florence Griffon, Chloé Cormery. Cela ressemble à un tableau. C'est Ornans, dans le Doubs, le village natal du peintre Gustave Courbet. Un génie qui en a inspiré un autre, Paul Cézanne. On ne sait pas s'ils se sont rencontrés un jour, mais ici, ils sont enfin réunis par toiles interposées. À gauche, un Cézanne, à droite, un Courbet. Entre ces deux tableaux, 40 ans d'écart, c'est Cézanne, l'héritier. Tous deux partagent le même amour et la même volonté de peindre leur région d'origine. La Franche-Comté pour Courbet, la Provence pour Cézanne. Il admirait chez Courbet sa manière de peindre en pleine pâte, c'est-à-dire avec une matière très épaisse, au couteau. Il ne reprend pas la technique, mais s'en inspire. Voici l'un des chefs-d'œuvre de l'exposition, un paysage enneigé prêté par un musée new-yorkais. Durant toute sa carrière, Cézanne n'a peint la neige que deux fois, car à Aix, elle fondait trop vite, et il avait besoin de temps pour créer. Or, la neige, c'est la spécialité de Courbet, qui se vantait d'être le premier à avoir su rendre ses reflets, sa consistance. Cézanne a suivi ses pas. De même avec des pommes. Alors qu'à l'époque le genre est mineur, Courbet ouvre la voie avec celle-ci. Plus tard, Cézanne en a fait l'un de ses thèmes favoris. Il affirmait vouloir conquérir Paris avec une pomme. Une expression qui n'aurait sans doute pas déplu à Courbet. Show me family.